Tu t'arrêtes. Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être très compliquée de tourner parce que j'ai ce truc à garder et ce truc aussi à garder. Elle est en train de me mordre. Et c'est mieux de ne pas les laisser toutes seules parce que bon, on sait jamais. Du coup, je dois filmer la vidéo, voilà, avec les deux. Donc écoutez, je vais essayer de faire ça correctement, mais je vous promets rien parce que les deux ensemble, elles sont infernales. Il y a Poupie qui arrête pas de creuser le lit. Poupie, tu arrêtes de creuser le lit. Alors, comme vous le savez, je viens de rentrer de Guadeloupe. Du coup, je suis chez mes parents là pour quelques jours. Eh bien, je n'ai pas d'affaires, ce qui explique que j'ai ce suite qui est très très vieux. Poupie, arrête de creuser le lit. Donc du coup, oui, je suis rentrée de Guadeloupe il y a pas longtemps et j'arrivais pas à trouver une idée de vidéo à vous filmer pour aujourd'hui, mais je voulais pas non plus vous laisser sans rien. Et je me suis souvenue que j'avais une caisse dans mon armoire où j'avais en fait tous mes souvenirs d'enfance. Ça fait des années que je l'ai pas ouvert et je me suis dit que ça pourrait être drôle d'ouvrir ça avec vous. J'ai demandé à ma mère de regarder quand même avant, voir si ça pouvait être intéressant. Elle m'a dit qu'il y avait des pépites, donc écoutez, on va regarder ça ensemble. Cette caisse est juste énorme, elle est là, donc c'est parti. Par quoi je vais commencer? Alors ça, c'est une boîte de fèves. En fait, je collectionnais les fèves quand j'étais petite, pas que d'ailleurs, j'étais une très grande collectionneuse, vous allez voir ça. Regardez, elle me prend la boîte. Bon voilà, c'est des fèves quoi, je collectionnais les fèves, mais alors de tout et n'importe quoi. Je me rappelle d'ailleurs, je collectionnais aussi les pièces de tous les pays de l'Union Européenne. Et j'avais tout ça en fait dans un classeur, et un jour j'avais besoin de sous, j'ai dégoupillé, j'ai tout pris, mais il y avait peut-être 50 balles en tout dans ce truc de pièces. Collectionner des pièces, je peux vous dire que c'est pas maintenant que ça va m'arriver. Alors ça, c'était les timbres. Je faisais une collection énorme de timbres, mais vraiment énorme de timbres, et à chaque fois il fallait les décoller à l'eau chaude, et là je pense que ça m'avait saoulé parce que concrètement ils sont pas trop décollés là. Mon dieu, tout ce que j'avais, je sais pas comment je les classais. En fait, ceux-là ils étaient trop beaux, c'était des champignons. Mais vous croyez que ça prend de la valeur ça avec le temps? Il me semble non, que les timbres, les collections de timbres, ça se revend. Que j'en ai un paquet là-dedans, hein. Oh, c'est mes chaussons de danse. Je faisais du modern jazz pendant des années vraiment. Vous croyez qu'ils me vont encore? Ah, je me rappelle, je dansais qu'avec ça. Non, j'y rentre plus. J'ai encore un livre de timbres. Alors là, j'ai une collection énormissime de peluches. Il y en a une, il faut que je fasse gaffe quand je la touche parce que Nala va devenir dingue. Et regardez, j'ai les deux chiens qui sont comme ça. Donc ouais, j'avais énormément de peluches et je me souviens que je dormais avec toutes parce que à chaque fois que j'essayais d'en choisir une pour dormir avec, je me suis dit les autres elles vont m'en vouloir. Du coup j'arrivais jamais à me décider, c'était n'importe quoi. Mon dieu, et dites-vous qu'après faut que je re-range tout ça moi. Nala, mais sors de là. Ce chien n'a pas compris qu'elle était grande. Les porte-clés d'Idle, qui c'est qui t'en rappelle? Oh, ma génération, c'était toute notre vie ça. Poupie m'a pissé sur le lit. Tous mes jeux de Nintendo DS qui avaient cette règle aussi. Elle est dégueulasse, tout le monde m'écrivait des mots dessus. Je t'aime. Il y a des histoires d'amour qui se baladent là-dessus, je peux vous le dire. Tu vas aller t'amuser avec? Allez, va t'amuser avec parce que tu m'embêtes. Ah mais tiens, parlant de la Nintendo, pour les jeunes qui me regardent, vous voulez voir l'ancienne génération avec quoi elle jouait? Avec ça. Et l'ancêtre de la Nintendo, la Game Boy. Alors celle-là, elle était à ma soeur, mais du coup je l'avais récupérée et j'y jouais aussi avec. Regardez-moi ça. C'est ouf, mon jeu préféré c'était Tarzan, je m'en rappelle. Non mais ça c'est collector maintenant, faut pas le jeter hein. Elles se disputent la règle les deux là, vous les voyez ou pas? Je m'en rappelais même plus. C'est les livres que j'avais achetés pour passer mes galops. Mon baptême du poney. Ah, 1998. J'ai eu mon baptême du poney à 3 ans. Certificat de baptême. Mais j'en ai eu combien des baptêmes moi? Bac blanc de français, 9 sur 20. Qui dit mieux? Deuxième bac blanc de français, 8,5 sur 20. Qui dit mieux? Mais comment j'ai eu mon bac moi? C'est pas possible. Non mais quand je vous dis que j'ai failli rentrer dans l'armée, j'ai plein de prospectus là. Je m'étais renseignée à fond sur...
Bah surtout en fait je voulais rentrer dans la gendarmerie moi les gars. Regardez, je vous mens pas, gendarmerie. Alors je sais pas si vous allez réussir à lire, mais centre d'information et de recrutement des forces armées. J'avais été carrément jusqu'à aller chercher ce petit papier dans leur bureau. Oui parce que j'ai aussi connu l'ancêtre décédé du coup. Est-ce qu'on parle de métallo artistique? Un coffret CD de Laurie. J'étais trop fan de Laurie. Alors attendez parce que là on part dans du collector là. J'ai tous les CD de Laurie, Priscilla, encore Laurie, Jennifer, non mais c'est ouf. Et dire que là il y a des jeunes qui sont en train de regarder cette vidéo qui n'ont jamais utilisé des CD comme ça. Tomber la chemise, je suis morte. Jennifer, des mots qui résonnent. J'avais toute une collection de jeux MobiClick comme ça pour l'ordinateur. Je les sors pas tous parce qu'il y en a peut-être une vingtaine. Et je jouais à ça, MobiClick, toute la journée. Enfin non pas toute la journée parce que sinon je me faisais engueuler, mais j'y jouais énormément. Les agendas customisés. Toujours pas de montre à mon poignet, rarement pressée, jamais à l'heure. Non mais j'en peux plus quoi. Alors là j'ai un mois avec un gros cœur. Je pense qu'il était du coup pour le Gwenel qui était juste avant. Ah mais mes agendas ils sont complètement défoncés sans déconner hein. Faites à Robert, faites à ton chéri. On est passé de Gwenel à Robert. Nana, j'ai trouvé ton chéri Simba. Est-ce que vraiment je suis en train de montrer ça sur YouTube hein? J'ai plein de mots. Cette page, elle est entièrement recouverte de mots de ma mère disant « Charlène ne pourra pas faire sport ce jeudi car tous les sports violents pour sa cheville lui sont interdits. Oh, maman, tu sais pas écrire. Charlène ne pourra pas faire handball à cause de sa cheville. Ma fille ne pourra pas assister au cours de 15h. Mathématiques, travail non fait. » Charlène n'a pas ses affaires et refuse de travailler sérieusement. Elle ne cesse de s'agiter malgré les remarques faites. Mais ça, c'était pas de ma faute. Un autre carnet, toujours avec des mots de sport de ma mère. Charlène mâche un chewing-gum en cours, dangereux en EPS. Ma fille n'a pas pu faire son devoir de français car notre... La pire excuse du monde. Ma fille n'a pas pu faire son devoir de français car notre imprimante est tombée en panne. Maman, heureusement que t'étais là. Ça c'était des cartes de galaxie où soi-disant il y avait de la poudre de la de l'étoile en question à l'intérieur. Mais que dalle, putain on était vraiment con quand on était gamin. Nala et Poupie, oh merde. Je vais vous épargner ça mais j'ai mes dents de lait. Je pense que niveau Scooby-Doo on est servi là. Oh j'ai pas la clé de mon journal intime. Oh non, je suis sûre il y avait des trucs trop drôles. Super, j'ai retrouvé un autre agenda, il y a un scotch avec écrit Charlène est une vache dessus. Ma flûte. Je me rappelle j'étais dégoûtée parce que tout le monde avait les flûtes, vous savez, vertes et bleues transparents là. Et moi j'avais pris du coup la flûte de ma soeur. Sauf que à son époque il n'y avait pas encore ces flûtes trop belles. Du coup je me tapais une vieille flûte beige alors que tout le monde avait des flûtes transparentes. Il s'est changé les morceaux et tout et moi j'avais cette flûte trop moche. Vrai que j'ai encore en jouer. Ça a mal fini, hein. C'était le Titanic pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu. Attendez, je veux réessayer. Vous avez vu Poupie? Ça m'aura réveillé tous les chiens, quelle bonne idée. C'est mes trophées encore, c'est trop trop beau ça. Moi, ça, moi je le récupère ça moi, je vais l'accrocher hein. Je vais l'accrocher ça. Tous les CD que j'ai maman. Qui veut une cocarde? Ah ok, là c'est tous mes dessins de cours d'art plastique et tout quoi. J'avais un problème, je faisais un peu les têtes en cœur, non? Pas très très beau hein. Ah oui, quand j'étais petite j'avais un carnet spécialement pour Laurie avec toutes les photos d'elle que je trouvais dans les magazines et tout. J'étais vraiment trop trop fan quand je vous dis il est rempli le truc de Laurie. Alors ça c'était dégueulasse. C'est un truc qu'on avait fait en cours. C'était une dissection de pelote de réjection d'une chouette hulotte. Il y avait plein de petits os d'animaux et tout. On avait dû les coller et les classer mais c'est dégueu, je me rappelle. Ma mère qui s'embrouille avec ma prof d'espagnol parce qu'elle peut pas la blairer. Votre fille n'a pas son livre d'espagnol en classe. Ma mère qui répond. Charlène a oublié son livre d'espagnol pour la première fois. Ne peut-elle pas suivre avec une amie? Merci de votre compréhension. Je profite de ce mot pour vous dire que je trouve le niveau d'espagnol faible pour une première, est-ce normal? Charlène doit avoir son livre en cours et si vous trouvez que le niveau est faible, peut-être pourrait-elle participer davantage.
Elle était trop con cette prof. Est-ce que j'ouvre les photos de classe là? Ah, vous allez vouloir vous hein. Mais là j'étais mignonne, ça va, c'était en 2003, c'était ma maîtresse préférée. Mais c'est pas du tout dans l'ordre, bon vous m'en voudrez pas hein. Là je sais pas en quelle année c'était, mais j'étais toute rikiki et visiblement ma mère aimait beaucoup me faire du volume sur la tête. Bon ça, ça n'a pas changé de toute façon. C'était encore plus petite, c'était mon amoureux à côté. François, si tu passes par là, salut. 2004, toujours à côté de mon amoureux, mais cette fois-ci, il voulait plus de moi. C'est énorme. 2006. Mais maman, comment t'as pu me laisser sortir comme ça? Un pull bleu, une écharpe orange, c'est pas possible. Mais je suis à côté de Camille sur cette photo. Effectivement, ma mère adorait le volume. La troisième. Ouh, ça pique. J'avais mes bagues. Ça, c'était en quatrième. Ah ouais. Là j'étais toute petite, j'étais petite section, il n'y a pas une photo de moi plus petite. À seconde, ouais bon, ça passait encore, non c'était pas trop la catastrophe ma tête je trouve. En première, bon je sais pas quelle idée on avait eu de se faire des moustaches. Bon et bien écoutez les amis, je pense qu'on est arrivé au bout, on nous regardait les dossiers les meilleurs pour la fin, donc c'est cool. Maintenant moi j'ai énormément de bordel à ranger, c'est cool parce que je termine la vidéo une fois que les deux se sont calmés, mais bon c'est pas grave. Hein. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis d'en découvrir un petit peu plus sur moi et mon enfance. Moi ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi quels sont vos petits souvenirs que vous avez de quand vous étiez plus jeune. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.